Les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous montrer un petit truc avant que la vidéo commence. Les amis, regardez tout simplement ce que j'ai reçu. Hop, vous savez lire. On se retrouve très bientôt. Les amis, on se retrouve pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Les amis, c'est tout simplement Car Vertical. Vous commencez à les connaître. Aujourd'hui, je vous passe une Yamaha au vérif. On va vérifier son kilométrage, si elle était volée ou accidentée. On voit l'activité localisée dans le pays où elle a été localisée. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'elle arrive en France? Elle a été immatriculée en France en 2023. C'est tout récent, les amis. Elle n'est pas volée. Le kilométrage, oulalalala. On est passé de 75 à 22. Ah oui, ah oui. Bon, c'est assez original, les amis. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment le kilométrage qui a été trafiqué. On va tout simplement voir qu'il y a aussi eu des dommages à leur cours et des réparations. C'était pas en France, du coup, avant d'arriver en France, elle a été réparée. Mais sinon, est-ce qu'il y a des photos qui ont été transmises? Ah oui, ah oui, carrément. Donc on est sur un phaser, ok. Donc on a les petites photos, ok. Est-ce que, ah oui, on en a pas mal. On en a même en 2014, en 2015. Ah oui, on a un dossier assez complet là sur le phaser. Est-ce qu'on va avoir l'accident du phaser? Regardez, on a même les photos du kilométrage. Donc maintenant, si vous me dites que vous pouvez pas vérifier votre véhicule, regardez, il y a des photos en 2014 où il y avait 58 et maintenant il y en a 23 en 2021. Regardez, 21 000 km en 2021, mais c'est n'importe quoi. Tout simplement, les amis, Car Vertical, ça vous permet de vérifier votre moto ou votre voiture. Comme on l'a vu là, c'est super important. Bénéficiez du code de réduction qui est en description, les amis. Et voilà, on se retrouve pour la vidéo. Salut les amis, c'est Lowe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec la Talaria, les amis, la Talaria Max S. Pour ceux qui l'ont vu à la précédente vidéo, c'est tout simplement l'équivalent d'un 50, mais en version full électrique sur une base de vélo. Attends, on va juste refermer ça. Ça, tu vois, c'est pour recharger la batterie. Il faut toujours rouler avec ça fermé. Parce que si t'as un petit peu d'eau qui se met dedans, c'est fini pour toi. C'est comme les trottinettes en fait. C'est exactement comme mes trottinettes de la mort, mais sur un vélo. Et je kiffe, vous allez voir ça, la conduite. On va tout de suite partir en mode, ouais, en mode sport. On n'est pas là pour rigoler. On va tout simplement les mettre des petits colis des abonnés à la poste. On a la sécurité comme sur les gros cubes, j'ai envie de te dire. Si t'as la béquille, tu peux pas partir. Elle est très énervée dès le matin. On va essayer de lier un petit peu de off-road et un petit peu de ville avec les voitures, parce que vous allez voir que les réactions des gens avec ça, c'est insane. Ils te tirent des têtes et c'est affolant. Hop, toujours un petit peu de piste cyclable, même si ça marche plus fort qu'une voiture. Le frein, je rappelle vite fait, le frein arrière il est sur la gauche, le frein avant il est sur la droite. Et puis après, ça reste une voiture assez classique, quoi, j'ai envie de te dire. Oh, les gens, c'est trop drôle les réactions qu'ils ont avec ça. C'est comme ceux qui voient la trottinette en fait. Ils sont en mode matin, mais ça sort d'où cet objet? En plus, regardez la couleur. Attendez, où est-ce qu'on pourrait le voir? Peut-être ici. En couleur jaune, ça a vraiment une dégaine. C'est super joli, ils ont fait du taf de ouf. Elle est disponible, les amis. Oh, il y a la police. Il y a la police qui prend le petit casse-croûte. Attends, ils partent ou quoi là? Bon, malgré que ça soit homologué tout ça, j'ai pas trop envie de me faire arrêter. Ouais, c'est bon, ils sont en train de prendre les petits sandwichs. Tranquillou pilou. Parce que attends, malgré plus qu'on se fasse arrêter, il y a une plaque et tout. C'est pour ça, il faut partir. Faut partir vite. Heureusement qu'il y a la puissance pour partir vite. Je pourrais même me permettre de doubler, mais bon. On est du coup, les amis, sur la base d'un VTT, on va dire, avec un moteur. Je ne saurais vous dire la puissance en watts, mais c'est un truc de ouf. On est sur une vitesse de pointe d'environ 70-75 km/h, rétroviseur, frérot, en bout de guidon, on voit rien dedans. Mais vas-y, ça fait genre un motovlog, mais sans moto, enfin du coup en moto électrique. Oh, regardez, j'ai la dégaine pour aller au travail. Franchement, je suis à deux doigts de prendre l'autoroute pour aller bosser avec ça. Hein. Oh, mais comment c'est trop confort, le petit clignot. Hop, regarde, on va essayer de pas se faire faucher. Tac, tac, tac. Ça marche tellement fort en fait, que tu peux te permettre, entre guillemets, de faire des trucs de dernier moment. Bon, par contre, les pneus cross sur la route, c'est comme partout, c'est un petit peu compliqué à à gérer. Genre, à un moment, tu te dis peut-être, ah là, ça y est, je vais me péter la gueule, tu vois. Mais sinon, ça passe de ouf. Oh, c'est nerveux. Bon, par contre, lui, hein, on est bien d'accord, on va pas le garder jusqu'au bout de la route. Hein. Encore tes petites féfées. Regardez, on va le déposer. Regardez, regardez comment déposer. Et hop, les. Ciao, ciao. Et là, tu te dis comment on va repartir. Hop, les. C'est ce qu'il faut pour rouler en ville, tu vois. J'ai oublié. Attendez, vous êtes cassé la gueule. J'allais dire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, les amis. Putain, elle est magnifique en rouge comme ça. Vous mettez un petit pouce bleu, les amis. Vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas. Putain, elle est vraiment jolie, hein. Merci à Max S, les amis, pour le prêt. Parce que, les amis, bien sûr, vous savez que ça vaut tellement un gros billet que ça. Si je pouvais me permettre de l'acheter, je l'aurais déjà acheté. Oh, c'est tellement joueur. On est sur un budget de quasiment 5000 euros. Mais après, vous avez des aides bêta avec ça. Donc, vous pouvez descendre facilement le prix. Parce que vous le savez, si vous achetez l'électrique en ce moment, enfin c'est comme les voitures, j'ai envie de te dire. Hop, regarde. Là, nous, on va tout simplement pouvoir aller à droite. S'il nous laisse aller à droite, frérot. Hop, hop, regarde, regarde. Hop, 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 hop. On met le petit clignotant, hein.
Regarde à la vitesse à laquelle ça part, c'est un truc de ouf. Alors ça a pas une grosse pointe, tu vois, je sais pas si vous allez le voir. Bah déjà 70 en vrai, c'est avec un 50 bridé, tu fais même pas 60, tu vois. Ça a pas une très grosse pointe, genre tu vas pas prendre les 100 km/h à moins de toucher à ta batterie en fait, de mettre une plus grosse batterie. Mais sinon, en termes de réactivité, c'est vraiment incroyable en fait, t'es devant tout avec ça. Tu veux faire un petit peu de trottoir, bon faites gaffe quand même, c'est des bolides qui marchent mais à mort. Oh. Mais par contre tu vois avec ça, j'ai plus tendance à rouler comme un connard avec ça qu'avec une 50, tu vois. Regarde quand tu vois la dégaine du truc, c'est vraiment super joli avec la petite plaque. Franchement regardez, qui ne rêverait pas d'avoir ça? Pro, tu mets ça à l'été mais c'est une dinguerie. En jaune comme ça, c'est super joli. Le même klaxon en plus qu'un 50 avec des petits, regardez, c'est envie de partir. Petit LED à l'avant, petit clignotant. Franchement c'est pas mal. On est bien incorporé dans le trafic, j'ai envie de te dire. Tu vois des fois ça fait du bien de s'arrêter entre les voitures, ça réchauffe. Bon, moi j'ai envie de te dire, tu vois, t'es limite plus un vélo qu'une 50. Donc t'as envie de carrément rouler sur le trottoir. T'as rien envie de respecter avec ça. Bon après j'ai envie de te dire, le BSR tu peux pas le perdre. Alors là si tu veux il y a l'heure. Là c'est le frein moteur, si vous voulez. Il y a un frein moteur pour que ça s'auto-recharge, on va dire. Enfin, on va dire c'est ça, c'est pour ça. Poto, allez poto. Voilà, regarde, on a fait se reprendre à orange parce que t'as voulu faire le mec gentil, elle a laissé passer. Tu crois qu'elle allait te. Hein? Et en plus, regarde, tu fais un rouge derrière. Non mais. Franchement. Bon, nous on est arrivé à la poste. En plus, il va à la poste aussi. Tiens, on va aller se fight avec. On est arrivé à la poste, on va aller livrer les petits colis des abonnés. Et après on va aller se faire un petit peu d'off-road parce que j'ai envie de te dire que là, batterie pleine, j'ai envie de profiter à fond. Hop, on va aller se mettre, regarde, là-bas. Regarde, on va se garer ici. Parce que oui, on va pas oublier d'attacher le bolide. Bon, j'attache le bolide et je livre les colis, les amis. Hop, regardez, t'as ton petit contact. Hop, t'oublies pas d'enlever les clés, bien sûr. Ça serait con, tu vois, de l'accrocher mais de laisser les clés. Mais tu vois, au niveau du vol après, je pense que c'est quand même plus facile à voler qu'un 50, tu vois. Mais faut pas trop laisser l'heure. Bon, je vais attacher ça et on se retrouve directement dès que je suis sorti, les amis. Oh là là, la bombe de guerre. On est sorti. Alors, tac. Tac, tac. Alors maintenant, bon, j'avoue, j'ai forcé pour le cadenas, mais le truc de la poste, c'est juste à côté. Bon, j'avoue, j'ai forcé pour le cadenas, j'aurais pu trouver plus gros. Alors maintenant, faut trouver la clé. Non, mais en vrai, non, mais la couleur, elle est vraiment incroyable. Bon, où est-ce que j'ai mis la clé là? T'imagines, j'ai le cadenas, mais j'ai pas la clé. Non, t'imagines? Non, c'est bon. Ça serait un truc, frérot. Je me retrouve. La talaria, elle est attachée. Hop. Et là, je pense, ça va être la partie la plus drôle. On va faire un petit peu de trafic et on va passer par la forêt. Bon, normalement, je l'ai pas trop dégueulassé. De toute façon, je vais essayer de lui repasser un coup de propre, sauf qu'avec ça, je pense, faut faire gaffe en nettoyant ça parce que là, vas-y, c'est bourré d'électronique. Donc, passer ça au Karcher, tu vois, j'en ai fait les frais avec une trottinette. Ouais, je crois que j'avais pété un câble ce jour-là. Hein. Mais regardez, c'est vraiment incroyable la petite plaque. Maxès, l'île Seclin. Si jamais vous voulez la voir, elle est en expo tout le temps là-bas. Après, je sais pas si vous pouvez avoir des essais, je sais pas. À ce niveau-là, faudrait se renseigner directement auprès d'eux. La clé, ah oui, tu vois là-bas, une petite trottinette comme ça, on la mouche facilement. Alors, la clé, hop, de toute façon, c'est facile, il y a qu'une clé. Tu mets le contact, alors après, tac, tu mets ready. Et là, t'es ready, frérot, t'es ready plus rapide que le bus. Par où va-t-on passer? Hop, je pense qu'on va aller faire un petit tour vers là-bas. Je pense en vrai de vrai, hein. T'es Uber Eats. Tu fais Uber Eats, tu surperformes. Genre vraiment, tu fais des résultats de ouf sur Uber Eats. Genre c'est carrément plus rentable qu'un taf classique. Enfin même c'est un autre taf, tu vois. Enfin en gros, tu fais Uber Eats, frérot, tu prends ça, mais je pense que là tu détrônes tout, hein. Là tu fais des résultats sur Uber Eats avec ça, mais frérot, tu peux livrer à des vitesses et au moins tu vois, t'es pas fatigué fin de journée. Mais genre là, le client, sa commande, elle sera encore brûlante quand il va la recevoir. Si tu vois ce que je veux dire. Alors on va aller voir si on peut pas aller faire un petit la course avec un petit vélo, frérot. Tiens, on va moucher un vélo. Ah merde. Il a pas voulu se faire moucher, le pauvre. Sinon il y aurait carrément revendu son vélo pour acheter ça. Bon après je pense pas qu'il faut prendre ça si vous faites vraiment beaucoup de routes, genre de la départementale ou quoi. Ça c'est plus si vous faites un petit peu de ville. Ouh. Est-ce qu'on va réussir à passer? Et non. Hop les. Ouais mais Non, c'est trop gros. Bon, c'est pas grave. Bonne journée. Lui, il s'est fait sa petite coupe de bois, frérot. Il s'est fait sa petite coupe de bois. Il est arrivé carrément, il a tout pris les bûches. T'as bien raison. En vrai, t'es chill, hein. Attendez, je vais vous montrer la VMAX du mode éco. Déjà, tu vas beaucoup moins vite. Tu vois, ça monte qu'à 50, 55. Ah là, faut y aller, tu vois. Et dès que tu passes en mode sport, tu le sens. La batterie, elle repart. T'as l'impression que t'as une Tesla. Au départ arrêté, c'est. Et même la reprise en vrai. Il manque un chouïa vraiment, mais un chouïa de reprise. Et t'as un foudre de guerre, t'as un monstre. Tu mouches tout le monde au feu rouge. Hop. Mais en ville, tu montes ça en super mode. Mais là, je pense que t'as l'un des 50 les plus réactifs, hein. Par contre, en termes d'assurance, je sais pas. Mais regardez, la dégaine, je trouve ça trop stylé. Tu lui mets un support de plaque court. Après, en vrai, hein, juste un support de plaque court, hein, t'as rien besoin de modifier d'autres choses, hein. Hop, tu modifies rien d'autre, juste un support de plaque court.
Et après tu peux lever hein. En vrai ça se lève de ouf hein. T'apprends à lever ça. Je pense que là tu passes tes meilleures sortes, tu passes tes meilleures balades. Oh, en vrai le bruit de l'électrique il est satisfaisant quand même. C'est plus rapide qu'un vélo à la poste hein. Carrément elle va rentrer, elle va demander ça à son boss. Elle va dire je veux une moto électrique. Et les suspensions. Oh, je trouve ça mais incroyable. Vraiment ils ont fait un taf au niveau des suspensions. Tu sens pas la route, tu sens aucun défaut. Regardez, ça absorbe tout. Il me semble que c'est ouais c'est à huile. Ouais, je sais pas si c'est à air ou non, je pense que c'est suspension à huile. Bon la poteau j'ai envie de te dire. Hop. Tu vois ce qui est chiant c'est que tu peux pas trop faire le con parce qu'il y a une plaque malgré tout. Mais bon après dans ce genre de situation tu peux réagir assez rapidement tu vois. Mais les gens ils sont choqués parce que tu l'entends quand même arriver malgré que ça soit full électrique. Ça fait quand même un petit bruit d'électrique. Et en vrai je trouve ça super satisfaisant. Tu vois 72, 73, 74. En vrai ça a quand même de la pointe hein. Et c'est 74 réel hein. Et tu vois quand même un gros freinage par derrière. Juste un petit peu les ronds-pointes, t'as un petit peu l'impression que tu vas te péter la gueule mais sinon ça va. T'es le plus rapide de la piste cyclable on va dire. Je pense qu'assurance c'est pas trop cher non plus. Faudrait voir faire le test ça par contre je saurais pas vous dire. Niveau consommation vous êtes sur du allez 60-70 km. Mais si vous roulez à fond tout le temps en mode sport la batterie je vais pas vous mentir elle baisse quand même pas mal hein. La réaction des gens c'est super drôle. C'est jaune du coup ça se voit. Du coup ils regardent direct tu vois ça attire l'œil. Franchement si vous en avez une mettez un kit déco hein. Je vous assure ça fait tout le kit déco. Il est vraiment magnifique, ils ont fait un taf de ouf hein, je trouve. Dites-moi que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'ai hâte de savoir un petit peu vos avis sur ça hein. Hop tu vois petit clignot. Il va pas être surpris tu vois petit clignot. Et sinon hop au niveau de la montée tu mets plein gaz. Ça a une reprise. Et en vrai regardez le petit LED à l'avant il flash pas mal hein. Dans le trafic on est voyant. Mais je pense que ça peut surprendre vraiment des motos hein. Ça peut surprendre des motos. La conduite, elle est super agréable. Je le redis, hein. Mais les suspensions, elles prennent tout. Par contre, tu vois, la selle, ah, peut-être un peu petit, tu vois. La selle, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus confortable, tu vois. Si t'as les os du cul pointu, t'es mort. Eh, hey, mais t'apprends à lever ça. Je pense en vrai. Non, je pense que ça lève de ouf. Faut... T'apprends à lever ça, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'on va aller dégueulasser l'engin? Moi, j'ai pas trop envie d'aller dégueulasser l'engin quand même. Bah, regarde, tu prends un petit peu comme ça. Oh, c'est agréable à rouler, hein. Comme je l'ai dit, t'es le plus rapide de la piste cyclable. Je pense que t'as même pas le droit, en fait, d'être sur piste cyclable avec ça. Mais c'est rien, c'est aussi étonnant que la trottinette, en fait, à rouler. Même si c'est beaucoup moins casse-gueule, hein. Oh, t'as beaucoup moins de risque de tomber, hein. T'es carrément sur un vélo. Hein. Regarde un petit peu. Là, tu vois, t'es sur un petit terrain de jeu. Pas mal agréable, regarde. Ça roule tout seul. Par contre, je kiffe comment tu prends un petit peu de terre, ça arrache de la terre, ça arrache les cailloux, ça arrache... Ah, je sais pas, tu mets peut-être des... Ouh, la mumu. Ça serait trop drôle de se faire contrôler avec ça. Comme t'es en règle, en fait, ils peuvent rien te dire, en fait. À part la vitesse, mais j'ai envie de te dire, la vitesse, ça va, tu mets en mode déco. T'es large. Ah si, ça lève, hein. Franchement, ça lève quand même, hein. T'arrives à bien comprendre quand la nervosité de la batterie arrive. Tu lèves ça, mais facilement. Mais tu vois, on est parti depuis le début de la vidéo. On va être à 80%. Ah ça baisse quand même, y'a rien à dire ça baisse quand même. Mais tu vois c'est comme les technologies des voitures électriques, des voitures hybrides. Au départ ça, c'est incroyable. Franchement c'est un petit style, franchement moi je kiffe, je valide à 100%. Ça consomme peut-être un petit peu ça, mais après c'est de l'électrique donc tu t'y retrouves. La reprise elle est juste folle, tout est fou, les freins ils sont bons. Ça avec ça y'a pas de soucis hein. Franchement y'a pas de soucis à se faire. Et là frérot j'ai envie de te dire, je pense que là on peut tout arracher. En fait je trouve ça tellement silencieux, donc c'est super agréable. Par contre ça part direct. Donc ceux qui voudraient un petit peu savoir, t'as le moteur qui est là, t'es pas par... parce que la différence avec ça c'est quand même c'est les surrones. Ils ont la courroie là, t'es directement avec la chaîne. T'as un pignon, t'as directement la chaîne. Franchement, notez-moi ça en commentaire. Mettez-moi une petite note sur 10 en commentaire de comment vous trouvez le bolide. Et moi je le trouve juste dingue. Un petit support de plaque court, tu viens le mettre dans le passage de roue. Franchement, je pense que c'est ce qui manque. Hein. Attends, j'ai envie de poser le casque pour vous montrer comment c'est super con à rouler. Mais regarde, tu penches un peu. Regarde comment ça glisse. Je suis sûr en plus au départ ça part, ça patine. Ouais. Oh putain. Ah non, franchement c'est trop drôle à rouler. Ceux qui en ont l'occasion ou ceux qui en ont déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais franchement c'est une tuerie hein. C'est une tuerie. Moi je vais faire un petit peu de off-road quand même. Hop les... Oh. Mais tu sens rien, en fait t'as même pas envie de rouler vite. T'as juste envie de profiter de la... Tu profites de la nature, tu profites de la sortie forêt. Mais sur un truc qui fait pas de bruit. Tu fais chier personne, et en plus ça saute. Et c'est joueur hein. Franchement ça roule tout seul hein. Et c'est pas très genre tu te dis pas que tu vas te péter la gueule. Tu vois, t'as envie d'aller en cours ou au boulot, t'as un petit raccourci par la forêt. T'as un petit raccourci par la forêt, frérot, je crois que t'as qu'une envie, c'est d'y aller avec ça.
Bon les amis, oh, attends, là c'est un petit peu relou avec le rétro, voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas, si vous vraiment, si vous kiffez à mort et que vous voulez qu'on fasse un petit peu des tests sur circuit, sur terrain plutôt, pour voir un petit peu comment ça saute, comment ça prend les virages, pourquoi pas, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire. À suivre Max et Seclin sur leur page Instagram. N'hésitez pas à profiter à mon code promo, vous avez 15% avec le code Léo15. Donc voilà les amis, comme je vous l'ai dit, on coupe le support de plaque, on vient le mettre juste ici. Je pense que là ça ferait vraiment une dégaine de fou malade. En tout cas, moi je vais aller continuer de tester ça le temps que je l'ai encore. Mais vraiment, regardez cette petite face, en fait tout est beau, on n'arrive rien à le reprocher, ça marche super fort, donc voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je repars m'amuser comme un petit fou. Et en tout cas, on se dit profitez et à bientôt les amis.